Moi, Jean-Claude Cassibou, je jure de servir loyalement et fidèlement la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en ma qualité de président de la commission de la CEDEAO, de ne communiquer directement ou indirectement à personne d'autre que celle à qui je suis habilité à les transmettre et de régler ma conduite en ayant exclusivement en vue les intérêts de la CEDEAO, sans solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement ou autre autorité extérieure à la communauté dans l'exercice de mes fonctions. Je voudrais également remercier sincèrement Son Excellence le Président Faure Gnassingbé du Togo pour la grande disponibilité dont il a fait montre à mon endroit dans le traitement des différents dossiers et questions depuis mon arrivée à la Commission le 1er mars 2018. Nous continuerons, comme par le passé, à soutenir activement toutes vos actions visant la stabilité et la paix dans notre région, conditions nécessaires pour tout progrès économique et social. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs, le deuxième axe de notre action sera orienté vers l'accélération de la croissance économique dans notre région. Avec une population de près de 370 millions d'habitants en 2017 et un produit intérieur brut de 550 milliards de dollars, notre région est déjà une force économique. Nous continuerons à soutenir les actions menées au niveau des États membres, avec un accent particulier sur la prévention, la sensibilisation ou faciliter l'insertion dans ce domaine. Au niveau de l'éducation, nous compléterons les actions dans les pays avec un accent sur l'harmonisation des curricula et des diplômes, des formations qualifiantes en lien avec les besoins de l'économie ainsi que l'appui aux centres d'excellence régionaux.